Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Metal Horror. Le samedi 14 octobre 2023, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Julien Sévéon lors du Symposium des Maudits à Charleville-Mézières. Voici l'interview et bon visionnage. Clap, c'est parti. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là au Salon des littératures maudites et fantastiques. Alors, c'est le Symposium des Maudits à Charleville-Mézières. Donc, tu as fait une présentation tout à l'heure sur les zombies et les genres, si j'ai bien compris. C'était sur Romero, en fait, spécifiquement, ouais. Et bien, merci aussi du temps que tu m'accordes pour faire cette petite interview pour ma petite chaîne YouTube Metal Horror. Avec plaisir. Tu es journaliste spécialisé dans le film de genre, film d'exploitation. Tu as collaboré à plusieurs magazines français et étrangers. Et tu as écrit aussi beaucoup de livres. Je veux donc que tu te présentes rapidement et puis après on va aborder deux trois sujets. Long, t'as bien résumé. Donc, Julien Sévéon, journaliste spécialisé dans le cinéma, auteur de je sais plus combien de livres, peut-être 8, je crois, autour du. Généralement, mes deux grands pôles. Oups, Shaft qui vient me dire bonjour. Autour de deux grands pôles, je vais le garder avec moi, comme ça, ce sera bien. Autour de deux grands pôles, donc principalement les cinématographies d'Asie et le cinéma populaire dans un sens large, en particulier le cinéma d'exploitation, le cinéma de genre. Voilà, c'est mes deux grandes passions, on va dire. D'accord. Tu as écrit un livre sur la Black Exploitation. Tout à fait. Alors, il y a quelques années, voilà, c'est pour ça que j'ai ramené Shaft et puis du Coty. Ah, bah ici. Il y a Black Mama et White Mama, c'est ça, voilà. Ah, ouais. Et puis j'ai ramené aussi du Larry Cohen, puisqu'il a fait Black César, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Black Exploitation, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est, son importance un petit peu dans la culture américaine? Et puis nous dire un petit peu quelques films majeurs de ce genre de cinéma. Alors la Blaxploitation, en fait, le terme est à la base utilisé de manière négative. C'est en particulier au sein de la presse afro-américaine et de certains mouvements culturels afro-américains du début des années 70 qui commencent à montrer du doigt certaines productions qui sont faites à Hollywood, où le seul et unique but, en fait, est de mettre dans les rôles principaux des acteurs noirs, parce qu'Hollywood s'est rendu compte que les spectateurs noirs, en fait, attendaient d'avoir des acteurs et des actrices afro-américains dans les rôles principaux. Et il n'y a aucune volonté, en fait, de la part d'Hollywood de chercher à donner une place aux acteurs et actrices afro-américains. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se sont rendus compte tout simplement après la sortie de Sweet Sweet Back Badass Song de Melvin Van Peebles, que le public afro-américain allait voir des films, que le public afro-américain allait voir massivement des films, et donc que ça pouvait leur rapporter de l'argent. Le calcul devient très simple à partir de ce moment-là pour les producteurs. Ils disent, ils veulent voir des films avec des acteurs et des actrices afro-américains, on va leur en donner. Mais c'est pas du tout un courant, comme il est parfois dit, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte des droits civiques, c'est pas du tout un courant engagé politiquement, tout au contraire, c'est un courant qui est mercantile et qui cherche à faire vraiment de l'argent sur le dos des afro-américains. Paradoxalement, c'est vrai que c'est le premier courant qui va permettre à des acteurs et des actrices afro-américains de tenir des rôles importants dans des grosses productions hollywoodiennes. Tu peux me citer par exemple quelques films de Black Exploitation? Alors, je pense Shaft, je pense que c'est un incontournable. C'est peut-être pas le plus flamboyant des films de la Black Exploitation, parce que ce qu'on aime bien un petit peu dans les films d'exploitation, c'est le côté un petit peu too much. C'est-à-dire beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'érotisme, beaucoup plus de bagarre, beaucoup plus d'horreur. Shaft est peut-être un peu... il est relativement soft parce que ça reste un polar très bien ficelé. C'est pas le grand film d'exploitation. Par contre, c'est un excellent polar avec Richard Roundtree dans le rôle principal qui est
incroyablement charismatique. Et puis, il y a quand même cette BO faite par Isaac Hayes qui est inoubliable, qui fait partie probablement des BO les plus importantes de l'histoire du cinéma, qui a même été reprise après, qui a été pillée au Japon, à Hong Kong. Voilà, c'est un morceau de Blaxploitation et même plus largement de cinéma américain des années 70 qui est totalement incontournable. Du côté des acteurs, actrices, moi je dirais il y en a une quand même, bah, c'est Pam Grier. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs, il y a Jim Brown, il y a Jim Kelly, mais Pam Grier elle représente vraiment ce cinéma-là. Elle est charisme incroyable, beauté incroyable, présence à l'écran incroyable. C'est dans le monde du cinéma américain, au sens large des années 70, c'est probablement pour moi l'actrice la plus marquante. Elle a quelque chose en plus que toutes les autres. Alors évidemment, il y a des stars, il y a les Jane Fonda, il y a tout ça, mais Pam Grier, lorsqu'on la voit à l'écran, on ne peut pas l'oublier. Voilà, elle a cette coupe afro incroyable. Elle manie aussi bien l'humour que l'action, que l'érotisme. Elle sait vraiment parfaitement capter l'intérêt de la caméra. Quand elle est devant une caméra, on a l'impression que la caméra ne peut pas se détacher de sa présence. Quoi. C'est incroyable. Et pour moi, elle symbolise vraiment toute la Blaxploitation. Même s'il y a d'autres acteurs et actrices, on ne peut pas passer outre Pam Grier. Après, du côté des réalisateurs, il y a eu moins, c'est-à-dire beaucoup de cinéastes liés au cinéma d'exploitation ont touché à la Blaxploitation. Il y a Corman, Larry Cohen, comme tu disais tout à l'heure. C'est plus la Blaxploitation pour moi, c'est plus un cinéma de stars que de réalisateurs. Après, il y a eu plein de films marquants. Hein. C'est évident. Il y a certains réalisateurs effectivement qui y sont revenus un peu plus souvent que d'autres. Mais le genre a principalement fonctionné grâce à ses vedettes. On peut citer aussi Jim Brown, qui était Jim Kelly, qu'on connaît aussi, qui a fait un peu avec Enter the Dragon, avec Bruce Lee. Voilà, c'était la rencontre Blaxploitation, film de kung-fu. Enfin, des fois, ça faisait des rencontres incroyables. Jim Kelly, pareil, aussi un charisme incroyable, une présence à l'écran fantastique. C'est des acteurs qui ont vraiment su tirer le mieux de ce qu'on leur offrait, qui étaient souvent des rôles un petit peu lambda, un petit peu basiques, mais ils se sont lancés là-dedans avec une conviction tellement totale que une fois qu'on les a vus, on peut pas les oublier. Cette période de la Blaxploitation, elle s'est étalée de quelle année? Quelle période ? C'est les années 70. Vraiment, en 79, c'est bouclé, pour ainsi dire. Alors, les raisons sont nombreuses. Hollywood se rend compte ou se dit que finalement, les films mettant en scène des Afro-Américains, ça rapporte plus autant qu'au début des années 70. Donc, on commence à mettre un petit peu les acteurs, les actrices Afro-Américains de côté. Est-ce que au niveau du box-office, il y a une véritable baisse? Oui, c'est vrai que à la fin des années 70, c'est plus forcément les films d'action avec des comédiens noirs, c'est plus forcément ce qui a le plus gros succès. Néanmoins, ça continue à fonctionner. Mais c'est vrai que Hollywood, puis le monde du cinéma, de toute façon, fonctionne vraiment par vagues. Et ça a été ça de 70 à 79, 71, 79. Et après, Hollywood est passé à autre chose. On est revenu plus tard. Il y a d'autres cinéastes après qui se sont rendus compte, mais y compris des deux côtés, aussi bien des cinéastes blancs américains que afro-américains, qui se sont rendus compte à la fin des années 80, 90, qu'il y avait quand même un manque flagrant de présence afro-américaine à l'écran. Et qui ont recommencé à faire des films, mais là qui n'étaient plus du tout des films d'exploitation, qui étaient juste des films qui mettaient en scène des acteurs et des actrices afro-américains. Mais c'est vraiment, le phénomène est vraiment très limité dans le temps, même s'il y a eu après quelques ressuscés,
Tarantino, évidemment, hein, qui est, lui, dès que c'est le cinéma d'exploitation, il adore ça. Donc, il est revenu dessus. Il a utilisé Pam Grier, d'ailleurs. Pam Grier qui a reconnu une nouvelle carrière après, alors qu'elle était un petit peu tombée en désuétude, entre guillemets. Elle a joué dans la série Hellworld aussi. Elle est redevenue une grande star, alors qu'on l'avait un petit peu oublié. Le grand public américain, en tout cas, l'avait un petit peu oublié. Et ça lui a donné un nouveau boost dans sa carrière. Quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des films qui pourraient être catégorisés dans la Black Exploitation ? Ou un réalisateur, qui dit oh, tiens, comme Quentin Tarantino, je vais remettre ça au goût du jour, mais de façon un peu plus moderne. Alors, oui, il y a eu cette espèce de revival lancé par Tarantino pour tout ce qui était cinéma d'exploitation. Donc, c'est vrai qu'après Foxy Brown, il y a eu d'autres films. J'ai oublié le nom, Mr. Dynamite, non pas... Ah, j'ai oublié Dynamite quelque chose, j'ai honte. Mais qui était vraiment une tentative de refaire un film d'exploitation maintenant, mais en reprenant tous les codes de l'époque. C'est-à-dire que c'est un film qui se déroule durant les années 70, donc on va avoir au niveau des costumes la même ambiance. Par contre, il n'y a pas véritablement... maintenant, ce serait plus possible de faire ça. Parce que ça passerait extrêmement mal d'essayer de pas d'exploiter justement ces acteurs et ces actrices pour se faire de l'argent. Même si, voilà, par exemple, Fred Williamson disait tout le temps, attention, moi j'ai jamais fait un seul film de Blaxploitation. Moi, on m'exploite pas. Moi, je fais les films que je veux. Et c'est vrai. Fred Williamson, je pense pas que c'est lui qui a choisi sa carrière. Mais néanmoins, du côté des yeux des producteurs et des réalisateurs, il l'utilisait parce qu'il était noir, pas parce qu'il était charismatique, pas parce qu'il était bon acteur, mais parce qu'il savait qu'en l'utilisant, le public afro-américain viendrait le voir. Donc c'est vrai qu'il y avait un mode de pensée maintenant qui me semble qui est quelque part complètement aberrant, mais qui, paradoxalement, a permis à des gens comme Fred Williamson de gagner leur vie, de se faire connaître internationalement. Williamson, il racontait ça. Moi, il a voyagé aux quatre coins du monde. Moi, j'ai couché avec des femmes dans tous les pays. Il dit, moi, personne m'a exploité. Et oui, c'est vrai. Effectivement, on peut pas, mais l'idée des producteurs, c'était quand même ça. Alors, on va passer au point du coq à l'âne. On va parler d'un autre genre cinématographique, c'est la catégorie 3. Alors, je veux savoir, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient ? Pourquoi on a fait ça ? Alors, la catégorie 3, en fait, c'est un système de classification qui apparaît à la fin des années 80 à Hong Kong pour désigner les films interdits aux moins de 18 ans. Qu'est-ce que cette classification a d'important ? Avant que la catégorie 3 arrive, le gouvernement britannique, donc qui règne à Hong Kong parce que c'était une colonie anglaise, avait grosso modo pouvait décider si un film sortait ou ne sortait pas. Elle avait tout pouvoir sur les sorties de films. Donc il y avait des films qui étaient considérés comme problématiques. Le gouvernement disait on l'interdit, il ne sort pas. Tel autre film était déclaré problématique, on coupait certaines scènes, voilà. Mais les réalisateurs et les distributeurs locaux, en fait, n'avaient aucun manuel, aucun guide leur disant ce qui était acceptable ou ce qui n'était pas acceptable. C'était donc la censure pure et simple. Et il y a eu des pressions à la fin des années 80 par des producteurs, des réalisateurs qui se sont rendus compte qu'en fait, tout ce système-là, enfin, ils le savaient déjà, mais était illégal et que le gouvernement britannique le savait exactement, c'était stipulé dans certains textes. Et ils ont commencé à militer en disant maintenant il faut sortir de ce système de censure brute, on veut un système de classification avec des films autorisés pour tout public, des films interdits pour public averti et des films interdits au moins de 18 ans. Comme ça, tous les films pourront enfin sortir chez nous sans que vous ayez cette espèce de décision de vie ou de mort sur toutes les productions. Et donc, il y a toute une bataille qui rentre en jeu et ça aboutit donc à ce système de classification en trois points. Catégorie 1, c'est les films tout public. Catégorie 2, pour le film, entre guillemets, l'équivalent, c'est 13 ans et plus, public un petit peu averti. Et catégorie 3, film interdit au moins de 18 ans.
Et la catégorie 3, en fait, permet soudainement à des films qui avaient été bannis jusqu'alors de sortir. Il y a beaucoup de films qui étaient problématiques, des fois des trucs très étonnants, comme La Dernière Tentation du Christ, qui vont pouvoir sortir en étant interdits aux moins de 18 ans. Et ce qui se passe, c'est que les producteurs hongkongais se rendent compte que grâce à la catégorie 3, ils vont pouvoir aller tout d'un coup beaucoup plus loin en termes d'horreur, en termes de violence et en termes de sexe. Alors, il y a toujours existé une petite industrie du cinéma érotique à Hong Kong, mais qui était pareil, qui était sujet à beaucoup de censure, où il y avait un certain nombre de règles qui étaient plus ou moins stipulées, notamment on était censé ne pas voir de films de poils pubiens, bien qu'il y ait quelques films qui aient réussi à passer en travers des mâles du filet, voilà. Et donc avec la catégorie 3, les producteurs se disent c'est la fête, on va y aller plein pot, niveau violence, niveau érotisme, et à partir de 89, donc il y a des centaines de films qui vont sortir vraiment entre la fin des années 80 et le début des années 2000, avec une vraie baisse à partir de 1997 quand Hong Kong revient à la Chine. Et on va avoir à peu près toutes les perversions possibles et imaginables qui vont être filmées en termes de... même si c'est pas toujours hyper explicite, mais en termes de sexualité, scatologie, zoophilie, inceste, tous les types d'homosexualité, tout ce qui est possible de faire, ça ils vont le faire. Tous les sujets problématiques, même des trucs qui sont pas possibles, des femmes enceintes qui se font tabasser, ça va devenir un truc récurrent dans les productions des années 90, même dans des comédies. On voit des scènes dans une comédie, tout d'un coup, changement radical de ton, une nana enceinte qui se fait pousser dans les escaliers, qui hurle de douleur. Enfin, on est là, on fait, mais ils sont fous et ils se lâchent totalement. Et le premier film à obtenir ce statut de catégorie 3, la première production locale, c'est ce DVD que tu as apporté qui s'appelle « Camp 731 ». Qui est un film extrêmement problématique parce que c'est un film qui a toutes les couleurs du film d'exploitation, c'est-à-dire que c'est l'un des films les plus sadiques, les plus cruels, les plus vicieux qu'on ait eu l'occasion de voir. Il y a une véritable autopsie, il y a des animaux qui sont véritablement tués, donc bon, c'est assez lourd. Et d'un autre côté, il y a une véritable volonté du réalisateur qui s'appelle Mu Tung Fei de réaliser un film historique. Et là, il y a quelque chose, il y a deux mondes qui ne sont censés ne pas se rencontrer du tout, qui vont fusionner pour l'un des films les plus chocs qui a jamais été créé autour du camp 731, donc il fait partie des grands tabous de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a été un camp d'expérimentation établi en Mandchourie par l'armée japonaise, qui a mené différentes expériences sur des civils, bien évidemment non consentants, chinois, mais aussi on sait qu'il y a eu des Australiens, des Français, des Anglais. Il va y avoir des cas de vivisection, ils vont les torturer pour voir jusqu'à quel point on peut tenir la douleur avant de mourir, enfin bon, quelque chose d'absolument horrible. Et ce film-là va permettre pour la première fois internationalement de se rendre compte de ce qui s'est passé. Pour la première fois, il y a un film qui parle de ça. Ça va un petit peu délier certaines langues parce que c'était quelque chose dont le Japon ne voulait pas du tout entendre parler. Même le camp 731, toujours l'extrême droite japonaise, continue à nier son existence. En Chine, c'était quelque chose aussi, les autorités de Pékin ne voulaient pas trop en parler parce que ça donnait une mauvaise image de la Chine. On utilise ses citoyens comme cobaye, c'est pas voilà une histoire d'ego, on va dire, du gouvernement qui était complètement aberrant. On n'en parlait pas, les Américains n'en parlaient pas non plus, refusaient d'en parler parce qu'ils ont récupéré les résultats d'un certain nombre d'expériences menées par les Japonais. Donc, ils préféraient que tout ça reste secret. Et ce film est à la fois vénéré par les amateurs de films gore, trash. Mais pour moi reste aussi un film très important, tout simplement, je l'ai comparé, je sais que ça a choqué des gens, je l'ai comparé quand j'avais écrit dessus à l'impact qu'a pu avoir Shoah.
Et c'est vrai que ça n'a pas du tout l'approche de Shoah, parce que Shoah est vraiment un documentaire brut, un film très, un film essentiel aussi du cinéma. Mais Mutunfe ne pouvait pas avoir cette approche, parce qu'on n'a aucun document, on ne sait rien sur le camp 731. Donc il était essentiel. Moi, j'ai eu cette discussion avec lui. Quand j'ai vu le film, j'ai été extrêmement choqué. Je lui ai dit pourquoi, je lui ai posé la question, pourquoi avoir été aussi long en termes d'horreur, pourquoi avoir fait une véritable scène d'autopsie, pourquoi avoir été aussi loin dans les scènes de torture. Il m'a dit il fallait qu'il le fasse, parce qu'il fallait que le public se rende compte vraiment de ce qui s'était passé là-bas. Et il a raison. Tout aussi choquant que cela puisse paraître, s'il avait fait un film purement factuel en montrant les scientifiques avec des informations, 10 000 civils ont été tués, ce serait resté très froid, on se serait pas rendu compte de ce qui s'est passé au camp 731. En voyant ces images-là, qui sont répugnantes, qui sont choquantes au possible, on se rend compte du règne de terreur que les Japonais ont mené non seulement en Mandchourie, mais un petit peu partout en Asie, lorsqu'ils sont partis dans leur projet de conquête panasiatique. Et pour moi, c'est un film vraiment très important. Maintenant, je dis ça, je ne l'ai vu qu'une seule fois, je ne le reverrai jamais de ma vie, mais je pense que c'est un film qu'il est important de voir pour se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé là-bas, parce que le sujet reste encore très compliqué et que justement au Japon encore il y a tout un mouvement qui continue à militer pour un mouvement négationniste qui continue à dire que ça n'a pas existé. Donc il est important que ce film soit vu et qu'on parle du camp 731. Je le remets là. Et pour Story of Ricky. Parce que là, c'est du catégorie 3, mais ce n'est pas historique. Moi, j'appelle ça un film un peu foutraque. La catégorie 3, c'est vrai que c'est pas un genre à proprement parler. C'est juste cette interdiction aux moins de 18 ans. Donc, on va avoir aussi bien des films d'auteur qui vont très loin en termes politiques, où on va avoir des films, par exemple, qui parlent d'homosexualité. Ça, ce qui était un grand tabou dans la production hongkongaise. Donc, on parle d'homosexualité, film interdit aux moins de 18 ans. Donc, ça passe énorme, très large. Par contre, c'est vrai que plusieurs des leitmotifs récurrents qu'il y avait dans ces productions-là, c'était la violence et le sexe. Et en termes de violence, Story of Ricky, c'est vrai que ça reste un petit peu un film étendard de toute cette production. Violence beaucoup plus, on va dire entre guillemets, fun et amusante que ce qu'il y a dans Kansas 131. Ça a vraiment rien à voir. Story of Ricky, c'est tiré d'un manga japonais et c'est une adaptation faite par Lin Am Choi, qui était un authentique artisan, un véritable passionné du cinéma, vraiment, qui faisait, lorsqu'il tourne un film, il s'investit totalement dedans. C'est-à-dire que beaucoup de gens voient Story of Ricky comme tu dis, c'est vrai, un petit peu un film foutraque, un film un petit peu délirant et tout ça, mais il faut voir dans quelles conditions il a tourné ça. C'est vraiment des conditions artisanales avec un tout petit budget. Et il cherche à recréer au plus près l'atmosphère du manga. Et donc, c'est vrai qu'il fait avec ce qu'il peut, les costumes, la prison, les effets spéciaux. Et avec un tout petit budget, je trouve qu'il a un résultat incroyable. Moi, je dois dire, Story of Ricky, c'est un film que j'aime au premier degré. Je l'ai vu plusieurs fois avec du public durant des festivals, et c'est vrai que moi ça me fait toujours un petit peu mal au cœur. J'entends les gens qui rigolent durant le film, alors que moi je suis, par exemple quand on voit Ricky qui fait de la flûte, moi c'est un truc qui m'émeut. Je suis à fond dedans, je trouve ça assez beau. J'aime le côté, j'aime les changements de ton qu'il y a dans le film, mais je le prends vraiment au premier degré, et je trouve que c'est un film qui est incroyable. Voilà, c'est vrai qu'il y a aucun équivalent, surtout en Occident, ça, il y a rien de comparable, et c'est un film que j'adore. Pour finir, et pour passer sur un sujet un peu plus léger, là on a quand même vu des films assez durs, surtout le camp 731. Est-ce que tu peux me parler de Satoshi quand même ? Parce que là, ça fait plein de bouquins, mais vraiment d'un un peu extrême, hein, et puis des cinématures. Et puis là, Satoshi quand même. Pourquoi ? Satoshi, comme je t'ai dit, moi je suis passionné. C'est vrai qu'un de mes gros, une des grosses bases de mon travail, ça touche les cinématographies d'Asie. Et Satoshi Kon, c'est un réalisateur que je découvre en fait tout de suite dès la sortie de son premier film, Perfect Blue.
et je suis absolument scié par ce que je vois. Le film, il est présenté la première fois, c'est à Fantasia, où on commence, à l'époque on est un petit peu sur les balbutiements d'Internet, mais il y a quelques petits échos comme ça qui circulent un peu plus vite que par la presse traditionnelle. Et j'ai des amis, notamment là-bas, qui me disent « il y a un dessin animé qu'on a vu, incroyable, Perfect Blue ». Donc je le guette, j'attends, et il va passer dans ce qui s'appelait à l'époque le Festival du film asiatique de Deauville, qui n'existe plus, qui a dû durer 7 ou 8 ans. Devant une salle, la très grande salle de ville, qui est quasiment totalement vide, on doit être 20 personnes dans la salle. Sur les 20 personnes, il y a 3 retraités du coin qui sont là parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Il y a 5 jeunes du coin parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et puis les autres savent peut-être un peu plus ou moins de quoi ils retournent. Et je vois cet animé et j'ai jamais rien vu de pareil. On voit qu'il y a des limites budgétaires. Et effectivement, il n'a pas eu à la base, c'était censé être un film destiné directement au marché vidéo. Et en cours de route, la production dit finalement, ce que tu fais, c'est quand même pas mal du tout. On va essayer de le sortir au cinéma, sauf qu'il change pas du tout le budget. Donc, il y a une animation qui est assez limitée, mais en termes de thème, de montage, de mise en scène, c'est extraordinaire. On voit que Satoshi Kon, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les références habituelles de l'animation japonaise. Et on va le découvrir petit à petit. C'est quelqu'un, effectivement, qui a été beaucoup plus marqué par le cinéma live, le cinéma, entre guillemets, traditionnel, que par l'animation. Et ça va marquer, en fait, ces différents films. Et à partir de Perfect Blue, moi, je deviens un petit peu... j'attends qu'une chose, c'est son film suivant. Et après, ça va être Millennium Actress, que je vais avoir l'occasion de voir en Corée du Sud, donc quasiment je crois que c'était avant même la sortie japonaise. Une baffe énorme, et je vais suivre tout le reste de sa carrière, qui est relativement court, parce qu'il est mort beaucoup trop tôt. Mais il livre plusieurs films étonnants, sans oublier aussi, effectivement, Memories, où il signait le premier sketch dessus, un film à sketch dont Katsuhiro Otomo, et lui faisait le premier sketch qui était le meilleur. Tokyo Godfather aussi, la série Paranoia Agents qui est incroyable. C'est quelqu'un qui renouvelle totalement les codes de l'animation japonaise, qui est capable à la fois de critiquer totalement, comme sur Perfect Blue, le milieu des fans, qui permet à cette animation d'exister, tout en livrant des réflexions incroyablement pertinentes sur la société japonaise, sur le médium du cinéma, sur l'animation. Et ça fait partie vraiment de ce cinéaste. Alors, on peut dire, oui, évidemment, vu que sa carrière est très courte, mais tous ses films, je les ai vus un grand nombre de fois, et chaque fois que je les vois, je trouve de nouvelles choses. Et ça, c'est quand même extrêmement réjouissant, et c'est finalement assez rare chez des cinéastes. Il y en a, on voit leur film 2-3 fois, ça y est, on a fait le tour, on découvre plus rien. C'est chez Satoshi Kon, je continue encore à découvrir de nouvelles choses. Et je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement touchant dans son travail. Oui, vraiment un très grand cinéaste, mais qui dépasse voilà ce cadre de l'animation. C'est vrai qu'on a tendance à qualifier placer réalisateur d'animation. Lui, c'est un grand réalisateur tout court. Merci pour cette présentation sur Satoshi Kon. Pour finir cette petite entretien, je veux savoir un petit peu tes futurs projets. Écoute, il y a toujours beaucoup de choses qui sont en attente. Je travaille souvent sur plusieurs projets en même temps, et à un moment, il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre suite à des fois peut-être une interview qui va me permettre d'avancer beaucoup plus. Donc je préfère rien annoncer parce que c'est un petit peu complexe, mais il y a toujours ce projet autour de la Show Brothers, mais qui a pris une telle ampleur que c'est très difficile actuellement dans le monde de l'édition française de sortir un bouquin comme ça. Il faut pas se voiler la face, qui marche bien dans le livre cinéma en France, c'est les petits bouquins légers.
pas, plus on va commencer à taper sur des gros livres, entre guillemets, définitifs sur un sujet, plus ça va être compliqué de les sortir, de les vendre. Et donc, le livre sur la Shoe Brothers, c'est difficile. Après, il y a plusieurs projets de réédition, notamment mon livre sur la Blaxploitation, bah, qui est épuisé depuis longtemps. Donc ça, je travaille depuis un petit moment sur une réédition qui sera une réédition largement augmentée avec des interviews. Notamment, il y aura Larry Cohen, il y aura Pam Grier, il y aura pas mal de personnes en plus qui seront interviewées dedans. Une réédition de mon livre sur la catégorie 3 aussi, parce qu'on me le réclame beaucoup depuis un petit moment. Et pareil, ce sera une édition bah, qui sera un petit peu augmentée, avec bon, de quelques nouveaux films chroniqués en plus, certains chapitres voilà, avec de nouvelles informations. Et pour le reste, si je vous ai une capture d'écran, j'ai un dossier qui s'appelle Projet Livre. Il y a Projet Bouclé, Projet en cours, Projet à venir. Projet en cours, grosso modo, je dois en avoir une quinzaine. Projet à venir, il doit y en avoir une cinquantaine. Donc le problème, c'est à la fois trouver le temps, réussir à... Je passe mon temps à courir après le temps, en fait. C'est ça qui est difficile. Et je suis en manque de temps, surtout avec les sujets que j'essaye de traiter, qui sont souvent liés à une période très particulière. C'est les années 60, 70, début 80. Et je cours après le temps parce que je me rends compte, enfin, tout le monde s'en rend compte, que toutes les figures de cette époque sont en train de partir, quoi. Et il y en a beaucoup, beaucoup que j'ai raté comme ça, mais des fois... À une semaine, il y avait des rendez-vous des fois qui étaient pris avec des cinéastes. Voilà, appelle-moi tel jour et le jour où j'appelle, c'est le jour où j'apprends où il est décédé. Enfin, bon, c'est une course contre la montre. Et comme j'essaye d'être sur plusieurs tableaux en même temps, parce que je veux pas juste bloquer un seul, parce qu'il y a trop de choses à dire sur beaucoup trop de sujets. On manque, en fait, surtout en France, je trouve, on manque de matériel, on manque d'ouvrages sur tout un pan de la cinématographie mondiale, notamment tout le cinéma de genre et les cinématographies d'Asie. Et donc, je cours tout le temps voilà, derrière des cinéastes, derrière des acteurs, des producteurs, et ça prend du temps. Et ce qui fait que certains projets avancent plus ou moins lentement. Et puis tout d'un coup, je vais rester dessus. Et là, il y en a un qui va arriver plus vite que d'autres, quoi. Voilà ce que je peux te dire. En tout cas, moi, je suis très impatient de tes prochains projets et surtout la réédition de Black Reputation des catégories 3. Effectivement, comme tu l'as justement dit, ouais, moi, perso, moi, je les attends. Parce que si tu vas sur des sites de vente en recherche, c'est clair, là, franchement, les prix sont ouais, super abusés. C'est une des raisons aussi pour laquelle je compte les rééditer, parce que ça me fait mal au cœur. Voilà, j'ai eu des gens que je connais en plus, des amis qui disent « Bah écoute, ton livre sur la Blaxploitation, je l'ai acheté 300 euros. » Et là, je fais « Non, mais t'aurais jamais dû 300 euros. » Moi, ça me fend le cœur quand les gens me disent des prix comme ça. Et c'est vrai que le bouquin part à ce prix-là. J'ai vu plusieurs cas, donc je veux arrêter la spéculation aussi. Voilà, faut ne l'achetez plus. N'achetez plus catégorie 3, n'achetez plus Blaxploitation. Ils vont ressortir de manière beaucoup plus abordable, en plus dans des éditions augmentées. Donc, ne nourrissez pas les spéculateurs. La phrase de fin. En tout cas, merci beaucoup du temps accordé et puis bon retour chez toi. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment cool comme interview et j'espère que voilà, ça va aller bien cette vidéo. Tout le monde va connaître un petit peu certains films. Et puis, voilà. Bonne continuation. Merci. Salut. Je tiens aussi à remercier Loïc pour l'organisation du symposium, Nina, mon assistante hors pair, et François pour le prêt de documents.